Bah, j'aime bien l'arc, mais le Tomahawk il a l'air stylé là, le mec qui brandit son Tomahawk il me fait trop plaisir quoi. Il est un Mmh, bah, Ojibwe avec son armure en bois. m'a fait toi plaisir, hein. Putain, mais moi je veux les deux, moi je veux les deux Amérindiens moi. Ah, parce que l'arc, à mon avis, c'est quand même plus maniable qu'un Tomahawk. Je pense que le Tomahawk ça va être abominable. Et Bon, moi moi je te préviens, je vais faire une run poubelle comme dans Dark et Donjon. C'est-à-dire que je vais prendre juste le minimum d'équipement. Bon, de toute façon, on a plus beaucoup de sous, je crois. Hein. C'est pour ça. Ah, et c'est fini dans le bon temps où je me rechargeais à chaque game avec tous les systèmes. Putain, mais ils sont trop stylés les Indiens. Le fond d'écran, mais il me fait plaisir à voir. J'ai l'impression que ça va être des DLC, à mon avis. Alors, on va voir ça. Oh putain, il y en a un tout à la fin. Oh bah non, même. Ah oui, il faut un DLC en effet. Oh, c'est un DLC, putain, il est trop beau. T'as même des Shintok. Je m'en fous du chinois, moi j'en ai un amérindien, moi. Tu es un mob, alors fais gaffe, t'as quand même un gros qui te regarde encore. Hein. Joli. Et... Oh, one shot en plus. Ouais. Par où on va? J'ai raté. Eh bien, j'irai vers l'ouest. Ok, je te suis. Ça, c'est l'histoire de l'Amérique. Par où on va? Bah, vers l'ouest. Toujours. Théâtre dessiné manifeste. Arrête de me faire plaisir à dire des mots comme ça. Tu sais très bien que ça m'excite, tu fais exprès, je sais. Allez, un petit bruit vers l'or. Bah alors, j'arrive pas à donner un coup. Bon. Ah bah tard. Bon, je m'en occupe. Bah attends. C'est bon? Oh putain, mais... Oh merde, c'est moi. Je vais tirer dans le visage. Ça, j'ai pas mis beaucoup de vie. Bah attends, bah t'as fait une telle gueule. En vrai, ton flingue m'a fait des dégâts. Tu m'as tiré dans le corps? Je sais pas, j'ai tiré. Ah, ton flingue m'a fait des dégâts, mais ridicules. Ah, c'est vraiment un flingue de merde alors. J'ai perdu genre 10% de ma vie, c'est tout. C'est bon, j'ai tué le mob qui me dit des indices. Y'a de la sauge! Ah oui, la sauge contre la machine! Oh, ça va mal répondre! Ah, allez. C'est Bréval, c'est bien, mais il y a une voix dans le jeu! Avec Crash! T'as vu qu'il y a une petite Bible, Raph, sur le. Enfin, je sais pas si tu peux la voir, mais. Mec, j'ai Crash! Ah bon? Ouais! Ah, c'est bon, je vous réentends parce que le VoIP m'avait. Tu bah. Passes quoi là? Ah, bah oui, tu viens de crever, Raph, ton mec vient de mourir devant moi. Putain, l'investissement et l'arnaque quoi. Et du coup, hey, Raph, ton lycée c'est une rêve, toi? Non, pourquoi? Bah, je sais plus qui m'a dit ça l'autre jour. Bah, non. C'est un repose en paix? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Énorme, bien vu. Comment ça, il était vraiment là? Moi je pensais qu'il s'était barré, qu'on disait n'importe quoi. Putain, mais il était AFK le mec, j'ai l'impression. Il y a gagné dans un coin, ou alors il était visé Bréval, je sais pas. Moi j'ai l'autre prime. Ah, peut-être. Ah bien joué, bah on se tire, attends, on va vers le nord. Faut qu'on loot le mec pour pouvoir gagner de la vision nocturne. Ah bah j'ai 5 secondes déjà moi en fait, c'est bon. Putain, mais je suis nul, mais j'ai une chatte. Bréval, non. Quoi? Il a tué un spell. Je lance une hache. C'est une hache, je suis mort. Mais comment ils font pour toujours viser dans la tête? J'arrive pas à piger ça. Moi je suis une moulerelle, j'arrive jamais à le faire. Oh, ils sont trop forts. Attends. C'est toi quand c'est le flair? Ouais. Ah, ça me fait carrément chier. Moi qui voyais un petit peu ce qui se passait, je vois plus rien maintenant. Ok, je te suis, j'ai pas encore déclenché mon truc moi. On peut pas rentrer à toi. Ah putain, non. Non. Non, faut pas l'abandonner. Bande de bâtards. Ah, tu l'avais passé. Il est là, ouais. Putain, le mur qui l'a protégé la dernière seconde. Là on a encore. Là on a une gueule de vrai. Non, je suis pas prêt, connard. Le mec s'énerve d'un coup. Enfoiré. C'est dommage aussi qu'on ait pas des personnages féminins qui sont en robe. Ah oui. Tu sais, ça te robe serait très pratique.
Non mais ce serait trop stylé d'avoir une meuf avec une putain de robe à crinoline, tu sais, ce serait génial comme personnage, comme chasseur légendaire. Et j'avais bien un gadou comme ça, oh putain ma robe. Ce serait classe, non? Breval, on t'entend toujours pas, hein, de nouveau, je sais pas si t'aurais mis ton micro une fois de plus. On t'entend toujours pas non plus, Breval, je sais pas si t'es toujours là. Lâche kebab, Breval, nom de Dieu. Breval, on t'entend toujours pas, on voit que tu viens vers nous avec des yeux pleins de désespoir, mais on ne sait toujours pas ce que tu dis. Attendez, je suis au téléphone, j'arrive. Oh putain, j'ai un bug. De quoi? De réseau, c'est bon, c'est revenu, mais bon, c'est bizarre. L'équipe de merde, t'en as un qui est muet, l'autre qui a pas de réseau. Ah mais c'est bizarre là. Simon. Ah Breval, tu tues quelqu'un ici. Ah il a tué quelqu'un, bravo Breval. J'ai... De féliciter un petit frère. Et y'a un mec arrive, attention frère. Oh putain. Je recharge Raph. Attends, moi je vais me soigner. C'est bon. Qu'est-ce qu'il m'a tué à la fin? Ah, il m'a tué un garpon de choc, le bâtard. Joli en joué, je pense, ça. Il est beau à voir. Ouais, t'es comme moi. Bon. Bah, suivons. Comment il s'appelle dans The Role, le mec qui est muet? Ah, je sais pas. C'est le pote de The Role, il est muet. Bernardo. Et un trait encore? Ah non, c'est juste un tonneau. C'est vrai qu'on dirait un gros trait. Mais c'est des lois, il a une texture rigolasse. Re. Ah, enfin. Ah, il y a un arc, je veux l'arc. Il y en a qui a une arbalète ici. Oh, j'ai pas dessus. Oh, ça fait mal. Ah, non, vanishing, 100%. Ouais, j'ai failli perdre un trait de vie, du coup, pour ça aussi. Attends, je me cache la zone pour charger mon flingue. Ah, par où on va? Tout au sud, si on veut, tout au sud-ouest. Dire, c'est quand même une herbe hyper compliquée. Ah oui! C'est moi, vous avez laissé une prime, les gars? Bah ouais. Mais putain, on a pris qu'une seule prime. Moi, j'en ai pris une et vous en avez laissé une. Ah, j'ai pas pensé en prendre, mais je pensais que vous l'aviez oh, vu tous les deux. Oh les blaireaux! Tocard! Ah 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 ah. Oh bah écoute, on va pas chercher, moi je me casse là. Ouais, c'est bon, on est ça. Oh les nuls, on est encore jamais fait cette merde. Tu sais, t'as un mec qui a dû dire, mais c'est un piège. Tu sais, il a dû rentrer à ça s'appelle à tâton, non, à tâton pardon. Tu sais, il doit se dire, bah ils sont tout seuls quoi. C'est moi. De se dire c'est un mec qui était tout seul ou il est trop con, enfin. Bon, et ben. C'est étrange. Hein. Ouais. Oui. C'est vrai, on n'a pas vu grand monde du coup. Non. On a vu en fait la deuxième équipe elle arrivait et il nous a pris la deuxième prime. Il nous a ramassé les miettes. Ah oui d'accord, les sous-marins ils étaient construits à Adélaïde en Australie en fait, c'était pas... Ouais, ouais, parce que... là-bas, ouais. Il y avait 500 français qui étaient envoyés là-bas. Il y a une nouvelle. C'est vraiment du foutage de gueule, en vrai c'est vraiment du foutage de gueule. Après bah c'est parce que du coup ça nous désavantage nous aussi qu'on a vu ça mais... Et que les américains ont mis un peu de pression tu vois. C'est comme Space hein. C'est pas grave, on va les vendre au Pakistan. Ouais. Non, et pire, on va vendre à la Chine contre l'Australie. on leur fait moitié prix. Exactement. Tu sais, quand les Chinois vont leur niquer leur mère, on va leur faire. Vous avez les salutations des Français. Génial. On va leur vendre un sous-marin chinois, il s'appellera Bye Bye Sydney. Un kangourou, on se fait niquer par l'arrière. Voilà. Un koala qui se fait niquer par un panda. De quoi?
Tu mets un dessin sur le... Sur le de... Ah oui. Un collègue se fait niquer par un panda. Yeah, yeah. Bien. Le fameux... Il y a un truc qui brille là, vous le voyez ou pas? À l'étage, il y a un truc qui brille bizarrement, j'ai jamais vu ça là. Ton petit boule? Non, non, mais ça fait des sortes de... Tu vois ce que c'est? Des sortes c'est de vénules qui partent du sol. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, c'est de la sauge! C'est génial! Une piquette de la sauge là. Mais c'est qu'en fait, là, sur moi, je porte un t-shirt que j'ai acheté sur un site amérindien. Justement, qui parle de ce délire de la sauge. C'était pas prévu que ça se fasse comme ça aujourd'hui, mais... Il achète sur des sites amérindiens. C'est un peu comme l'échelle et l'arbachor. Il achète sur un site, dans un mec qui le produit dans une réserve naturelle au parquet. C'est à moitié ça. C'est une boutique qui est dans l'Illinois. Où en fait, la réserve naturelle du Burundi. Non, c'est des mecs qui sont des militants pour les droits des Amérindiens, pour le fait qu'on reconnaisse. Oui, il y a un zombie qui a volé. Est-ce qu'ils font des t-shirts avec des blagues dessus un peu private joke? Oui, c'est un peu ça. Genre par exemple, là, le dernier qu'ils ont sorti, j'ai vu ça sur Instagram l'autre jour. Tu sais, t'as un truc un peu version TripAdvisor. Ouais. Où en fait, alors je sais plus comment ils expliquent, mais en gros, c'est un truc pour noter les traités passés avec un pays. Et ils mettent États-Unis 0,5 sur 5, c'est genre 0 étoile sur 5. Avec un petit commentaire, je mets 0,5 parce que je peux pas mettre 0. Tu as que des trucs comme ça. Des petits critiques. C'est génial. Alors sachez que dans les. Comment ça s'appelle? Dans les miradors là, y a vraiment toujours des munitions, des trucs comme ça, je savais pas. Ah. Des munitions, des fois il y a des flingues, là j'ai trouvé des munitions spéciales. On est à Dachau. Allez, prêt. Ah, c'est bon, attends, j'ai pas... Ah, j'ai alors. Ils sont là. Hop, un mort. Je suis mort. Ah, j'ai baissé l'autre. J'ai baissé l'autre, mais il a pris une balle de peupon, donc il doit pas être bien, c'est une femme. C'est un rédempteur qui m'a buté, moi. Moi aussi. Ah merde, voilà. Aussi. Ah mais on est tous morts en fait. Ah, on est tous morts. Oh non, la 12. Ah non, oh, c'était tellement commando, on s'est fait détruire.